Avant toute chose, merci et bonjour Jean-Claude Casatu. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, donc. Alors, vous êtes le chef fondateur de l'Orchestre National de Lille et vous avez annoncé récemment votre intention donc de quitter votre poste en 2015. Après 40 ans de service, comment on peut imaginer l'Orchestre National de Lille sans vous? Écoutez, je crois qu'il faut. Il y a une chose qui est très importante quand on est très attaché à une maison, ce qui est mon cas, c'est de penser à son futur. Hélas, on ne peut pas éviter l'inéluctable. L'inéluctable, c'est le fil des parcs qui déroule, voilà, le mouvement de la vie. Donc, très simplement, je souhaitais donner les clés de mon orchestre lorsque tout irait bien, enfin, tout irait pour le mieux, c'est-à-dire mon festival de piano sauvé, les finances de l'orchestre saines. Et enfin, la cerise sur le gâteau, une salle formidable dont je ne cesserai jamais de louer ceux qui m'ont accompagné dans ce projet. Ça a duré longtemps, ça fait 10 ans que je souhaitais cette salle avec mes musiciens. Et donc, et c'est vraiment une très très une salle magnifique avec l'acoustique formidable. Donc, si vous voulez, les éléments sont réunis pour penser sereinement à une succession qui ne me coupera pas de la région. Vous savez, De je toute suis façon. attaché, c'est ma famille, la région du Nord-Pas-de-Calais, cet orchestre aussi. Mais je crois qu'il est sain, quand tout va plutôt bien, de penser à un futur tranquille, qui Voilà. inévitablement, doit arriver. C'est pas un manque de motivation, d'envie, de passion, Alors, ça vous jamais l'avez l'orchestre n'a encore. été aussi en forme, jamais je n'ai été aussi motivé. Moi, je suis en pleine forme, à part aujourd'hui, j'ai un problème à l'œil, c'est pour Oui, ça que ça j'ai on mis voit des ça petites lunettes. malheureusement. Voilà, non, mais ça, c'est éphémère. C'est pas grave. Et j'ai une équipe formidable, on a une action musicale voilà, qui est le fruit de 38 ans de travail. Il faut prendre son temps, vous savez, voilà, pour trouver ce qui conviendra à mes musiciens, à la région, à l'État, et puis réfléchir tranquillement au futur de cette maison que je continuerai d'ailleurs, si on le souhaite, à venir de temps en temps la diriger. Aujourd'hui, vous avez joué, si je ne me trompe pas, dans 31 pays, 4 continents, on va dire que vous avez joué dans le monde entier, évidemment dans la région aussi. Vous imaginiez un tel succès, une telle réussite en 1975, quand vous avez créé Ah, je l'ONL? crois qu'il y avait une personne ennemie qui croyait à notre futur à l'époque. Il y avait Pierre Mauroy qui m'a beaucoup Oui. aidé, mais qui ne savait pas du tout comment ça se déroulerait. Moi, bien sûr, et puis sans doute, voilà, une ou deux personnes. Et je dois au peu de confiance qu'on accordait au futur de cet orchestre d'avoir eu une liberté extraordinaire pour pouvoir bâtir ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire engager toutes les personnes qui ont travaillé et qui travaillent avec moi. Et ça, c'est irremplaçable. Évidemment, il faut essayer de ne pas se tromper. Au début, j'étais vraiment seul. Ensuite, j'ai eu une équipe qui est aujourd'hui ce qu'elle est, après 38 ans de construction. On a d'abord débuté avec peu de musiciens, puis un peu plus, puis voilà, ça s'est étoffé. Aujourd'hui, nous avons une entreprise rayonnante de 126 personnes, 100 musiciens, moi compris, 26 personnes à l'administration, avec tous les secteurs qu'impose une PME de cette taille. Et donc, c'est un grand bonheur de pouvoir travailler tous ensemble vers un idéal commun qui est ce que j'ai souhaité, partager l'émotion la plus élevée avec la recherche de la qualité la plus haute, du plus favorisé au plus démuni. C'est ce que nous nous sommes efforcés de Parce que faire. vous avez joué dans des grandes salles, avec également dans des petits villages du Nord-Pas-de-Calais, vous êtes allé à la rencontre de la population. Ça, c'est ce qui a toujours marqué les esprits, c'était très intéressant. Écoutez, nous avons visité plus de 250 villes ou villages ou communes dans la région, 31 pays dans le monde, et en même temps, j'ai souhaité que la musique aille dans le quotidien de chacun comme une nécessité de vie, comme une philosophie, comme voilà, un bonheur dans un monde un peu déchiré, mais qui permet tout de même, grâce à l'art, grâce à la musique, de rêver. Qu'est-ce que vous allez faire désormais? Vous resterez donc bien sûr lié à l'ONL hein, et à la région et à la culture, mais quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous imaginez pour la suite? Ben, des projets, j'en ai beaucoup. Vous savez, déjà, dans 8 jours, je pars pour la Russie, ensuite je vais en Espagne, ensuite je vais à Prague, ensuite je vais en Chine, ensuite je retourne avec mon orchestre en Russie. Les projets ne manquent pas. C'est Jouvet qui disait, vous savez, le grand comédien disait, dans nos métiers, on crève ou on meurt de faim, l'appétit, ça va. Donc j'ai sur mon assiette beaucoup de projets, avec toujours le désir de rester lié à cette région, à cet orchestre que j'aime, et de lui assurer son futur pour que ces jeunes musiciens et les moins jeunes qui composent cette maison et qui la servent soient tranquillisés sur leur mission et leur futur. Alors depuis près de 40 ans, 38 ans, hein, vous avez donné votre vie, tout votre temps à cet Orchestre National de Lille. On peut retrouver d'ailleurs, comme ça, l'essence de ce travail dans le livre
livre que vous venez d'écrire, qui est paru il y a 3 ou 4 mois, La partition d'une vie. C'est un peu ce que vous avez voulu raconter, votre travail, votre vie à l'orchestre. Ah oui, alors on m'a demandé ce livre, je me demandais qui ça pourrait intéresser, puis finalement je m'aperçois que ça suscite un certain intérêt sur toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans ce siècle, et je m'aperçois qu'il y a des gens d'une très très grande, d'une très grande richesse qui m'ont apporté beaucoup, à partir de ma famille aussi, à partir de mes enfants, à partir de cette création de l'orchestre, et puis surtout je donne des clés sur un métier qui est un peu mystérieux pour beaucoup de gens, qui est pas vraiment un métier, qui est le mien, qui est un état, qui est une philosophie, parfois un destin, et j'essaye d'expliquer en réduisant la distance quelques-uns des mystères de cet état. Merci beaucoup Jean-Claude Casadesus d'avoir été avec nous, donc l'invité exceptionnel sur Grand Lille TV. On continuera bien sûr de vous suivre pour les prochaines années avec l'ONL. Merci. Merci à vous. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.